Dans l'épisode précédent, qui a été malheureusement un peu écourté pour raisons personnelles, nos joueurs avaient décidé de se rendre dans la prison de Draenor. Alors, le MJ a un peu oublié parce qu'il n'a pas révisé, mais il me semble que c'était pour pouvoir trouver un moyen de débarrasser Einatheim du contrôle de ses dragons. Du moins, pour essayer de trouver une solution à ce problème de grosse taille. On a besoin de son sang. Pour parler. Bonjour, nous avons une proposition de Rumben pour vous. Comment je pourrais dire ça? Vous étiez rendu chez les Draks, le peuple de Slif et d'Isali. Soit des grosses créatures pas très commodes, notamment lorsqu'on s'est rendu compte que Altima a commencé directement par se fracasser la gueule avec l'un des gardes à l'entrée. Elle a gagné. J'ai gagné. Tu as gagné, c'est tout à ton honneur. C'est comme ça qu'on dit bonjour. Bien, tu as suivi les coutumes de ton peuple. Vous aviez réussi à accéder à un portail gardé par une mystérieuse créature tentaculaire qui vous avait permis de passer de l'autre côté. Nous retrouvons donc juste après. Nous allons recommencer là où nous en étions, puisque le troisième épisode de la dernière fois, on l'avait interrompu en cours de tournage parce que j'avais pas pu continuer, donc on va reprendre à zéro. De toute façon, je crois que pour une raison de flip, ça vaut mieux. C'est bon, ça fonctionne correctement. J'avais pas insulté un des prêtres aussi au passage? Il y avait des chances que t'aies insulté un des prêtres, je t'avoue que je n'ai pas rematé l'épisode. Si, j'avais fait un échec critique et j'avais insulté un des prêtres. Intéressant. Je ne manquerai pas de te le refaire payer plus tard. Voilà, maintenant que tu lui as rappelé. Si tu veux, je crois que je me rappelle même de l'insulte. Donc si tu veux que je la redise, il n'y a pas de souci. D'accord. T'es obligé de donner le truc pour te faire battre tout seul, tu sais, tu pouvais juste ne pas le mentionner, hein. Bah écoute, ma RNG naturelle étant ce qu'elle est, moins et moins ça fait plus, donc j'essaie d'inverser la tendance. C'est physique. Si tu fais double moins, je rigole. Vous êtes apparu au milieu d'une gigantesque cité en ruine. Partout autour de vous, des bâtiments à la taille démesurée, dressent vers le sommet d'une grande caverne leur pointe démolie. Le sommet de la caverne est percé d'un énorme trou qui laisse passer la lumière du jour et dessine le contour d'une ville qui s'étend véritablement perdue pas mal dans les ombres. Ah, nous avons perdu un joueur. Ouais, chez qui il a perdu sa connexion. Je vais faire un truc. Il tente de se reconnecter. S'il n'y arrive pas, il viendra sur en même temps. Guillaume, ramène-toi. Je passe sans casque pour des raisons évidentes. Ok. Du moment qu'on m'entend pas en écho, tout irait bien. Donc, ça y est, c'est bon, il a de repos. Donc, la ville s'étend sur visiblement des kilomètres et il y a un silence de mort. Vous n'entendez rien, aucun bruit d'animal, évidemment aucune brise puisque c'est dans une caverne. L'air plane, plat. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ressemble à ça, les terres. C'est moins pas dans les terres. Brillant et magique que j'aurais imaginé. On est en dehors de les terres. Mais pas tout à fait dans les terres encore. D'accord. Sa prison, elle est entre notre monde et les terres. Je m'attendais à quelque chose de pire. Je m'attendais pas non plus à exactement rien non plus. Où est-ce qu'il est, ce con? Et si on l'appelait? Ah, vas-y, hein. Si vous voulez l'appeler,
Bonsoir, Kézius. Et de portant dans la voix. Très bien. Vous... Je ne fais pas, ça porte malheur. Alors. Et nos amis Drac ne ressentent rien ou... Je suis pas mage, hein, qu'est-ce que je ressens ? Par contre, Slifer peut effectivement me faire un test de perception. Le premier test de la soirée commence par me faire un échec critique. Va pas au bon endroit. Je ferai de mon mieux. On croit en toi. Eh. Gimdor, sois pas désagréable. Et ne lance. Je rappelle, n'écrivez pas dans le chat de Roll20. Ça se voit sur le. Je sais. Ça se voit sur le live et ça nique mon setup. Donc c'est pas drôle. Alors, si dextérité est à 80. Alors non, c'est intelligence. Si t'es un test de perception, c'est intelligence. 81 pour 81, c'est dommage. Ouais, ça marche pas. Alors, dans ce cas, tu ne vas avoir qu'une partie des informations. Je vais te dissimuler quelque chose. Ce qui se passe, c'est que tu vois un peu plus loin. En fait, tu distingues une sorte de schéma dans la ville. Ok. Dans la façon dont elle s'agence. Vous êtes visiblement au début d'une énorme avenue. Et tout au bout, on dirait une sorte de temple gigante. Pas très grand, mais qui donne accès à une sorte d'énorme coupole un peu plus loin. Une coupole. Quoi ? On est dans une ville ? Oui. Les ruines d'une ville. J'aurais pas imaginé une prison en forme de ville. Est-ce que ce serait pas un morceau... Enfin, je sais pas. Enfin, oui. Je trouve ça bizarre qu'il s'est construit un truc une ville en ruine spécifiquement pour emprisonner quelqu'un. Que ce serait un morceau, soit, je sais pas, de notre monde... C'est un métaire qui a été une ville en ruine. Je pense plus que c'est une ville qui a été construite et qui a été abandonnée et du coup ça s'est transformé en ruine. Dans un monde entre les deux. Et d'accord, le monde y a été fait pour lui et seulement lui, non ? Vous en savez rien, ça. Je pense plutôt une fraction de notre monde qui a été arrachée, qui s'est retrouvée coincée entre les deux et. Quand ils ont voulu emprisonner Draenor, ils se sont dit que ce serait le bon endroit pour le mettre. Je pensais plus à un truc comme ça aussi. Dans l'absolu, c'est pas... Alors, Shekil, t'as vraiment une connexion pourrie. Hein. Ça coupe toutes les 3 secondes. C'est plus d'aller le voir lui. C'est... Qu'est-ce que vous faites ? Le bâtiment là-bas a l'air intéressant, autant commencer par là. Draenor, c'est censé être un gros machin, non ? Donc on a qu'à se diriger vers l'endroit où ça pourrait accueillir des gros machins et on... T'en sais rien, ça, Driver ? C'est censé être sur une espèce de dragon à la con, donc moi j'estime que c'est un gros pas lézard. Pas forcément. Je pars sur le gros lézard. Et dans le pire des cas, suffit qu'on se ramène sur une espèce de clocher, on verra depuis là-haut, ça fonctionnera aussi. Bon, bah autant se diriger vers le dôme dans ce cas-là, ça a l'air d'être le plus gros bâtiment. C'était par là ? Oui, mais t'inquiète pas, laisse-moi, ne bougez pas trop vos tokens, de toute façon on va changer de map. Hop. Histoire de visualiser dans l'espace. Vous suivez. Mmh. Et non, pardon, d'après l'orientation de la map suivante, c'est plutôt en haut vers la droite. Donc plutôt par là. Ok. Qu'est-ce qu'il y a ? Qui c'est qui fait du bruit bizarre là ? Moi j'ai eu un hoquet, désolé. Bah mute-toi si tu as le hoquet. Mais je décide pas. Il se mute pas pendant les cinématiques, donc ou même pendant les... Ou quand je fais des intros. Donc tu crois vraiment qu'il va se mute quand il a le hoquet ? Laisse-moi avoir foi en lui s'il te plaît. Alors, chez qui il a vraiment une connexion moisie, donc il vient suivre avec moi. Ok, bah dans ce cas je vais donner à ton compte, Iliane, le contrôle du token de Shekil. Ça marche. Je vais avoir le... Ok. Donc. C'est bon, vous nous entendez ou pas ? On t'entend. Du moment qu'on ne nous entend pas en écho, tout ira bien. La coupole, plus vous en approchez, plus elle est grande.
Et plus elle est grande, plus elle est imposante, plus elle paraît vieille également. Plus vous avancez également dans la ville, plus cette dernière se trouve être démolie, et pas forcément par des raisons naturelles. Vous voyez de nombreux, vous voyez quelques lames rouillées sur le sol, des pointes de flèches, également des traces de coups, des traces d'impact sur les murs. La ville n'est vraisemblablement pas, ou du moins dans la majeure partie, en ruine pour des raisons simplement de vieillesse. Les impacts, ils ont l'air récents ou pas ? Pas du tout. C'est très vieux. C'est des restes de la guerre de l'éther. À tous les coups. C'est encore des conneries magiques, tout ça ? Évidemment, désolé pour le son, mais ils font avec ce qu'ils ont, c'est normal. Ils se débrouillent comme ils peuvent. Il n'y a pas de souci pour ça. Désolé. Bon. Donc oui, ça sent totalement le bataille de la guerre de l'éther. Où est-ce qu'il peut y avoir de l'espace pour un gros machin ? Quand tu dis que le dôme, il grossissait, au fait, c'est dans le sens où on se rapproche et c'est normal ? Ou est-ce qu'il grossit en même temps qu'on se rapproche magiquement ? Non, plus c'est grossi à la vue, c'est normal. C'est comme tout bâtiment de taille imposante, Driller. Ah non, à ce stade, je sais pas, hein, moi, franchement. Je te l'aurais dit si c'était le cas, si c'était bizarre. Mm. J'aurais insisté dessus. Donc, il y a un gros bâtiment, une ville de la guerre de l'éther. Ah, c'est vraiment un fait, là, par contre, le micro. Hein. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Qu'est-ce que vous voulez rentrer ? Est-ce que vous voulez examiner les alentours ? Qu'est-ce que vous voulez faire ? Ben, y a quoi dans les alentours qui serait intéressant ? Pas grand-chose, mais vous pouvez. Bon. On peut déjà aller voir à l'intérieur du bâtiment. Si ça a pas l'air dangereux, de toute façon, on va se split légèrement, on regarde ce qu'il y a à droite à gauche, et le premier qui trouve un truc intéressant, il appelle les autres. Je suis pas trop pour. J'ai l'idée qu'on reste groupé. Il y a un dragon là-dedans, le moment où on le trouve, ça sera pas difficile de le rater. Mais c'est pas forcément un dragon. C'est quoi alors ? Ben, on sait pas. Mm-hmm. Pour le coup, je suis relativement d'accord avec Nathaniel. Se séparer est peut-être pas la meilleure des idées, ou alors on part en petit groupe, mais on s'éparpille pas parce que sinon. Six petits groupes, pas plus de deux, et idéalement, avec un drac dans un des groupes. Ouais. Et surtout, vous voulez faire quoi en fait ? Parce qu'il y a rien, je vous l'ai dit, vous voyez pas grand chose dans la ville. Il y a quoi dans le dôme ? On n'est pas allé dans le dôme. Le dôme m'a fait tiquer, donc je vais suivre mon intuition. Autrement, et puis, au pire, on pourra, dans le dôme, il y a peut-être moyen d'accéder au toit et d'avoir une vue d'ensemble. Oui, c'est ça. Pire des cas, on se rabat sur un clocher ou le truc le plus haut du coin. Le truc le plus haut, on est devant. Bah oui, mais si tu peux pas grimper dessus, tu te remets sur un pic, je sais pas, une espèce d'église à la con, et ça fonctionnera. Messieurs, dames, on est d'accord que Draenor, on est là pour diplomatie. Oui. J'ai besoin d'un moment pour préparer du matos. Est-ce que je le fais ou est-ce que tout va bien pour l'instant ? Non, je veux dire, lui-même, il a tout à gagner à nous écouter. Oui, mais d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que si je me ramène avec 15 bombes devant lui, ça va lui faire peur. Donc je vais attendre un petit peu. Non, il n'aura pas peur, mais il ne sera pas enclin à la diplomatie dans ce cas-là. Garde tes bombes. Alors, Draenor, c'est une créature qui ne peut décemment pas mourir. Je sais, mais ce que je veux dire, c'est que si je lui bombe la gueule, il va être pas content en tous les cas, donc on va éviter. Bah, t'es mort. Oui, non, diplomatie, pas touche. Garde tes mains dans tes poches. Parce que la question que je me pose, c'est en fait sur comment est-ce que quel comité je prépare pour justement répondre au comité d'accueil qu'on va avoir avec le poulpe tout à l'heure. On verra ça après. Ouais. Je pense un pas après l'autre, mais garde tes bons pouces pour le moment où on va devoir faire une petite rencontre avec notre ami le poulpe pour qu'il nous laisse rentrer. Bon, je suis en train de fouiller mon stock là pour savoir ce qu'on peut faire, mais. Bon, nous y allons. Ouais, hein, si vous voulez pas vous lâcher la main. Voilà, là, je vous jure. Ça fait de l'écho dans ce temple de con ? Un peu. Ok. Écho ! Ah ouais. Ça fait un chant de marin là dedans. C'est terrible. Quoi ? Ça s'appelle du RP.
Ah là 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 là. Alors, le petit temple qui ouvre sur le dôme est une sorte de... Peut-être une sorte de petite église avec des bancs en pierre qui, cependant, ont l'air d'avoir été envoyés balader par une force incommensurable dans quasiment toutes les directions. Il ne reste quasiment rien dans l'église, à part des traces de coups, un peu par-ci par-là, un peu semblables à ceux qu'il y avait dehors, ainsi que potentiellement des restes de gravures sur des murs qui sont aujourd'hui taillés dans tous les sens. Le plafond se perd dans le noir, vous n'y voyez pas grand-chose, à part la lumière qui rentre par les vitraux brisés. Qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que je pourrais avoir lu ou reconnaître des éléments d'architecture ? Tu peux me faire un test d'érudition si tu veux. Donc intelligence, donc on est à 90. Je roll pour lui, mais c'est lui. Tu remarques déjà, premièrement, des éléments architecturaux sont peut-être semblables un peu à des trucs impériaux, mais aussi des styles architecturaux qui peuvent ressembler à certains trucs que tu as vus durant ton bref passage chez les Dracs. Oh, d'accord. Je peux jeter un œil au graveur, moi aussi ? Tu peux. Je partage l'information. Vas-y, vas-y. Tu en as parfaitement le droit. Tu penses que du coup, c'est une espèce de ville qui a été construite par les draconiques ? Je pense plutôt que ça daterait d'avant l'Empire draconique. Ça dépend, le draconique, il date depuis quand ? Depuis juste après la fin de la dernière guerre magique. Alors non, les guerres magiques, ça remonte à plusieurs milliers d'années. Hein. L'Empire draconique, il a 2 siècles, hein, à peine. Les guerres de l'éther sont extrêmement vieilles. C'est l'ouverture des premiers portails avec l'intervention de véritables éthérés dans ce monde. Apparition des dracs. C'est ça. Autant aller voir de plus près. Ça, c'est plus vieux ou moins vieux que ça ? T'es historien, tu peux dater ? Bah non, mais je demande. Moi, j'y connais rien. Je vous laisse gérer les érudits. Hein. Si vous avez besoin d'un marchepied, vous me faites signe. Logriff, tu peux aller voir si tu veux et me faire toi aussi un test d'intelligence plus érudition pour éventuellement distinguer un peu certaines dorures, peut-être certains éléments sur les mosaïques qui seraient potentiellement encore en bon état. Oh, bah, ouais, tu remarques des dessins qui te feraient potentiellement penser à des écailleux. Et également, tu as un peu partout des traces de créatures difformes. On dirait des mélanges d'hommes et d'animaux, ce genre de créatures bizarres. Ce temple a l'air recouvert de gravures de ce type. Mais est-ce qu'il confirme ce que nous avait dit les divinités entre les Nathalie et les compagnies des dracs. Ça, les prototypes des dracs. Ouais. Il y a eu quelques ratés, apparemment, avant d'y arriver. Prototype par qui ? Enatheim et Draenor. Oh ! Très bien. Je me suis toujours demandé. C'est les dracs, s'ils ont été créés, on est d'accord que c'est un peu moins bien qu'un dragon quand même. Donc ils ont été créés pour être différents, je suppose, mais c'est... Ils ont été créés en mélangeant du sang d'humain et de dragon. C'est ça. Hein. Pourquoi faire ? Une armée. Pour avoir une armée.
Mais si tu fais une armée de full dragons et sans humains, ça marche aussi très bien, non? Les dragons sont pas nombreux. Bah justement, si t'en faisais plus. Mais justement, ils peuvent pas les faire. Ils peuvent pas les fabriquer. Tandis que les drakes, ils pouvaient les produire à la chaîne. Sauf qu'il y a un truc, sauf qu'il y a un truc qui a merdé. Enatheim a d'abord créé les écailleux qui se reproduisaient très vite, mais étaient très limités, notamment par leur ignorance quasi complète de la magie et le fait qu'ils étaient assez faibles physiquement. Il a donc réessayé les drakes. Il a donc recréé les drakes, sauf que les drakes étaient trop étaient à l'inverse trop intelligents et avaient trop de dragons en eux pour qu'Enatheim puisse les contrôler. Surtout qu'eux aussi se sont multipliés assez vite, ce qui fait qu'il en a totalement perdu le contrôle, et c'est ce qui a causé ce qui a causé sa défaite lors des guerres de l'éther. Les drakes se sont littéralement retournés contre lui. Bien content d'apprendre que les dieux sont incompétents. Alors le dieu, il arrive quand même à créer des races entières, donc ça passe. Ouais, moi, je suis partant pour un acte 2, et un encore, à propos de, en tant que drake, de renverser Enatheim. Il y a eu un acte 1. Oui. Celui que je viens de dire. Il s'en est bien sorti, hein, dans l'absolu, je trouve. En gros, on veut une suite. C'est ça. Bon. Je pense que l'acte 1, il n'est pas fini en premier lieu, mais bon. On avance dans la suite du temps. On a appris des choses ici, on a des chances d'en apprendre plus après. Alors, Sleaf, retourne près des mosaïques, s'il te plaît. Remets ton token là où il était. Pendant ce temps, les autres, mettez vos tokens là où vous pensez qu'ils devraient être, sans trop avancer non plus. Il va au milieu, je regarde. Ok. Eh bah, Gimlor, tu vas me faire un test, s'il te plaît, d'intelligence plus perception. Oui. N'arrive pas à bouger le token de chez Kim. Ça passait. Je n'arrive pas à bouger le token de Shikil, mais oui, il est à côté du token de Sleaf. Laisse-moi le temps. Là, c'est bon. Oui, merci. Tu as réussi, Gimdor? Non. Non, t'as raté? Ok. Ouais. Donc vous continuez d'avancer. Et je vais laisser une dernière chance. Qu'est-ce que vous faites, Soena et Altima, pendant ce temps? Moi, je regarde un peu autour de moi, genre le plafond. J'attends que ça se passe, en gros. Ah, dans ce cas, tu vas me faire un test d'analyse plus perception, toi. Analyse plus perception, je me crois dans Ténèbres d'Éden. Tu vas me faire un test d'intelligence plus perception, toi aussi. Alcima, arrête de buller. Mais. En fait, il y a tu des toiles d'araignée au plafond, c'est rigolo. En fait, tu trouves une magnifique petite statuette sur le sol qui, on dirait, une créature mi-homme, mi-ours, enfin, hyper chelou. Tu regardes, oh, ça te rappelle tes jouets de ton enfance. Oh, c'est trop mignon. Il y a du cauchemar, la créature. Je peux la garder. Soena, je peux garder la statuette. Soena, qu'est-ce que tu fais? Je regarde un peu tout autour et surtout... J'essaie de rester alerte si j'entends pas un bruit, quelque chose, mais... Ok, vas-y, bah refais-moi s'il te plaît un test, et puis toi aussi un test d'intelligence plus perception, puis si jamais tu le rates, on fera avec. Un sang, du coup. Ça passe. Très bien. Soena, nous allons aller. Je vais te switch dans l'autre channel. Même si... Ah bah non, bah, je sais qu'il entendra de toute façon vu que vous êtes ensemble. Ouais, il va tout entendre, mais c'est pas grave. Bouche les oreilles. Dans ce cas. Ah, dans quelques secondes, les autres. Donc, Iliane. Oui. Tu entends une sorte de battement d'ailes dans les hauteurs. Ah. Il y en a sans doute plusieurs. Ok. Dans les rues, donc de là d'où on vient? Non, dans les hauteurs du plafond. Oh. Est-ce que je vois quelque chose? Non, tu distingues par contre un mouvement très rapide, mais pas de grande taille. Comme si ce qui évoluait dedans était très agile, sans doute pourvu d'elle, et qu'il y avait plusieurs créatures. Ok, J'ai le temps de pouvoir bouger ou de... Alors les créatures n'ont pas l'air de descendre. Pour l'instant, elles ont l'air de volter entre les immenses poutres du plafond qui se perdent dans les ténèbres.
Ok, alors par précaution, je sors mes arbalètes. Ok, je te remets avec les autres. À toi de voir si tu leur dis ou pas, ok? Oui. Attends que je revienne pour ça. Ça marche. Bien. Il y a quelque chose. On n'est pas seul. Ah. C'est pas censé être le but? Mais non, regarde, il y a la petite statuette. Effectivement, on n'est pas seul. Non, 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 au-dessus, il y a quelque chose qui volait au-dessus de nous. Pardon? Ah. Quelque chose d'imposant? Pas forcément sûr, en fait. Mais a priori, on est loin d'être seul. Ça fait flap flap comment? Flap flap très fort ou flap 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 flap? Mais je vois rien alors, d'ici. Alors, je vais préparer une carte de lumière que je vais lancer en l'air. Ce sera plus diplomatique que moi et ma boule de feu, vas-y. Ça me permet de vous expliquer dangereux. Vas-y, bah, fais-moi, s'il te plaît, ton test d'enchantement. Il me semble que c'est l'un de tes enchantements basiques. Oui, c'est ça. Donc, il te faut un tour de préparation. De toute façon, t'es pas en combat. Donc, vas-y, fais-moi ton test. Réussite à 90. C'est parfait. Ton sort, ouais, là, ouais. Et ta carte de lumière s'illumine. Tu la lances d'un geste fluide et vous voyez plusieurs créatures, dont plusieurs qui s'enfuient, mais l'une d'entre elles qui reste suffisamment longtemps en vue pour que vous puissiez la distinguer. Ça ressemble à un truc que je connais ou pas? Absolument pas. Cette créature a, on dirait, le torse d'une femme, a un visage humain, mais des ailes, ainsi que des griffes et des pattes de reptile. Elle volait en piaillant, en sifflant et en ouvrant sa bouche qui laisse deviner des crocs suraiguisés. On va partir du principe que c'est pas Draenor. En position! La créature volette et siffle à l'attention du sort de lumière et se renfonce un peu dans les ténèbres. Elle n'attaque pas. Si elle n'attaque pas, on va pas l'attaquer. Hein. Vous entendez un cri strident venant d'une autre créature. Un cri strident que reprennent au moins trois autres voix. Ok. Visiblement, elle n'aime pas la lumière. Ouais, fais-en d'autres, Nathaniel. Prépare-en une, deux ou trois pour leur tronche et ça peut aider. Elles n'aiment pas la lumière et elles sont toujours en vie. Tu sais ce que c'est? Alors, j'ai une hypothèse, c'est potentiellement un des ratés qui est né avant les dracs. Oui, alors les traite pas de ratés parce que si elles sont susceptibles, on n'est pas dans la merde. C'est un des premiers prototypes qui n'a pas abouti à mon grand regret sur les dracs. Bonjour mesdames. Ton grand regret? Bonjour, bienvenue. Qu'avons-nous donc là? Qu'est-ce que mes petites chéries ont trouvé? Des visiteurs? À manger? Ou les deux? Et vous entendez des pas qui montent très rapidement l'escalier ici. Depuis en bas? Pas imposant ou pas alors, léger? C'est une créature effectivement relativement imposante qui sort de l'escalier. Oh, salope! Kill it with fire. C'est comme une sirène, mais en plus moche. C'est dingue, ça. Dis-toi. Et là aussi, c'était un corps de femme, mais cette fois relié à une sorte de corps d'araignée géant, entièrement chitineux, qui se balade et le visage féminin se balance de gauche à droite, avec des yeux rougeoyants qui ne se réduisent qu'à de fines fentes, des cheveux filandreux qui tombent sur ses épaules. Son visage est amacié. On voit ses côtes qui flottent. Vous voyez même des trous, ce qui semble être des trous dans son ventre. Enfin bref, cette créature est totalement difforme. Des trous de genre elle est en train de mourir ou des trous de sport bien? Vous en avez aucune idée. Il y a des trous dans le ventre. C'est dommage. Et la créature. Des casse-croûtes.
Ça fait si longtemps qu'il n'y a eu personne ici. Bienvenue. Je vais m'avancer pas trop vers l'une d'entre elles. Merci de votre accueil. Daniel, quoi? Où sommes-nous exactement? Tu parles à qui? Aux bestioles au-dessus ou à la grosse? À la dernière qui vient de parler. Bah en fait, c'est les petites créatures au-dessus ne parlent pas, il y a que la grande qui vient de parler. Voilà, bah à celle qui vient de parler. Nathaniel, je suis planqué derrière le banc, je suis préparé à vous faire signe pour ça ici. Nathaniel, qu'est-ce que tu fous? La créature lève deux pattes, les frottes contre elle, ce qui produit un crissement qui vous fait un peu grincer des dents. Vous êtes... Ouais, vous êtes... Vous êtes chez moi? Dans ma maison. Et à qui avons-nous l'honneur? Oh, j'ai pas de nom. Papa m'en a pas donné. Papa? Votre père? Qui est-ce? Oh bah... Et il montre les créatures au-dessus. Le papa de celle-là? Oh. Ah. Et lui, à quoi ressemble-t-il? Il est ici? Allons, on ne doit pas parler de lui. Pourquoi cela? Parce qu'il ne veut pas. Il m'a dit, reste avec le gros lézard. Empêche les gens d'entrer. Le gros lézard. Est-ce que par hasard, ce gros lézard s'appellerait pas Draenor? Je sais pas, je lui parle pas. Ce gros lézard est derrière vous? Il jette un coup d'œil à lui. Peut-être. Peut-être chez moi, ça veut dire oui. Allez! Mais chez moi, Papa, il est venu me chercher, je dormais. Et bon, il y a des trous dans toute la ville. C'est dommage. Je suis à ma maison, il n'y avait plus rien. Flûte. Puis j'ai trouvé mes petites chéries dans leurs œufs. Ah bon. Heureusement que ça me fait de la compagnie. Bon, posons les termes. On veut passer, on veut trouver Draenor. Est-ce que tu sais où est Draenor? Le gros lézard, nous souhaitons voir le gros lézard. Mais vous pouvez pas, j'ai pas le droit. Droit de quoi? Bienvenue, merci pour le follow supplément de sel. je veux pas. Je vois le chat, c'est juste que je l'ai sur un autre écran pour des raisons pratiques. Donc je l'ai vu, je vois ton message. C'est juste que j'ai pas voulu interrompre le dialogue pour éclater de rire. J'aime bien ton pseudo. J'y réponds, t'inquiète pas. Donc. Ne vous en faites pas. On lui dira rien à votre papa, c'est promis. Oh, mais. Shekil, fais-moi s'il te plaît un test. Comment pourrait-on dire? J'ai négociation. Ça peut marcher, effectivement. 75 de réussite. Vas-y. Yay! Vous voulez entrer? Mais... Attends. On ne sait pas si on veut entrer. On ne sait pas s'il est là pour de vrai. Je vous préviens. Il y en a peut-être qui ne seront pas contents. Hein. Faut faire attention. Et elle se remet à crisser. La créature se remet à crisser deux de ses pattes en te regardant quand même, en se pourléchant un peu. Mais... Il va quand même... J'y gagne quoi, moi, là-dedans? C'est ton père, non? Il va être content si tu lui laisses l'invité qu'il a invité, qui s'en est très intéressé pour rencontrer. Vous êtes les invités de papa? Ouais. En quelque sorte, oui.
Alors, le gris, tu vas me faire un test de mensonge. Un mensonge, c'est juste embellir la vérité. Ça, c'est dire l'excuse que sort mon petit frère à chaque fois qu'il boit. Je peux tenter aussi, si tu veux. Hein. Non. Le jour où mon gamin me sortira, c'est j'embellis juste la vérité, je sors, je vais dire, putain, toi, t'as trop fréquenté, t'as trop écouté ce que j'ai fait avant, toi, c'est pas possible. Vas-y, Gimdor. Alors, par contre, c'est... Hélas, c'est charisme. Gimdor, c'est charisme plus mensonge, effectivement. C'est Gimdor hein, à qui j'ai demandé de le faire, c'est pas... Ah, je crois que c'était à moi. T'as dit le griffe, donc justement... Ah, pardon, c'était Gimdor, pardon. Ça marche. D'accord, j'étais prêt à me tirer une balle, mais bon, c'est pas grave. Ça passe. Il passe, mais... Non, 88, t'as 85. Avec mensonge. J'ai 80 charisme, mais j'ai mensonge... 5. J'ai que 5 en mensonge, genre... C'est toi qui as décidé, baratin. C'est pas moi. Non, j'ai baratin. Attends, c'est quoi baratin et mensonge, alors c'est quoi la différence? Baratin, c'est ta capacité à discuter, à échanger, pas à mentir. C'est dommage. Nawak. Mais c'est pas raté de beaucoup, ce qui fait qu'il est pas du tout convaincu, donc il commence à s'avancer un peu en continuant de frotter ses pattes, il te regarde toi. Oh, je suis pas sûr. Est-ce qu'il est goûtu, le petit être? Non, il te resterait sur l'estomac. Et tu vois les créatures au-dessus qui commencent à descendre un peu au fur et à mesure que la créature se rapproche aussi. Daniel, si on doit se fight, c'est pas ici. Non. Toena est en train de feuler. Alors, les créatures sont au-dessus de vous, hein, bien sûr. Elles sont pas du tout... Après, elles sont en train de voloter, telles des petits oiseaux-mouches particulièrement casse-pieds. Et elles tournent tranquillement. Et elles commencent à lâcher des petits mots en mode « Le petit être ! Le petit être !» Elles commencent à répéter des mots, mais sans aucun sens et de façon hyper stridente, hyper énervante. Il a dit « petit » au fait, c'est Nathaniel ou c'est moi ? C'est toi. Devine. Je peux vous laisser rentrer, mais lui, il reste et il pointe Gimdor. Non, c'est un copain, on l'embarque. Un copain ? Ouais. Bon, j'ai pas de copain, mais j'ai faim. Mais un copain, ça se mange pas. Je refuse tes termes. Ah bon ? Je pense qu'il ne doit pas être très bon à manger. Qu'est-ce que vous négociez avec cette monstruosité ? C'est simple, on est là, on est pour Draenor. Draenor, t'es censé pouvoir le couvrir, tu nous laisses le passage, il te récompensera ensuite en fonction de ce qu'il veut, et je veux plus jamais te voir. Moi, c'est tout ce que je t'ai demandé. Mais... Je garde Draenor ici. Alors... Pendant que Gildor fait son essaye de baratiner, je commence à griffonner une rune d'influence mentale. Ok. Fais-moi un premier test d'enchantement, s'il te plaît. Il me semble que c'est long, ça. Influence mentale, c'est complexe. C'est 3 tours. Non, c'est basique. L'influence mentale, tu l'as mis en basique. Je l'ai mis en basique. Bon, on va le laisser en basique. Hein. Si je l'ai mis en basique, c'est peut-être pas pour rien, c'est que ça fait longtemps. Donc vas-y, je modifie pas évidemment en cours de. Je modifie pas la règle. C'est que je trouve ça vachement pété. Oh putain ! Oh non ! Là, quoi ? Ah oui, non, c'est pour. Okay. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tu commences à griffonner et tu vois une sorte, vous voyez tous, une sorte de petite rune qui commence à se dessiner sur le visage de la créature. Et... Ah, ça brûle ! Qui c'est ? Et la créature, d'un seul coup, elle tourne en regardant. Toi, tu vas rester avec moi. Et elle commence à te foncer dessus. Daniel, on court ! Dehors ! Les créatures... Oui. Boule de feu pour la ralentir. Attendez, on se met en ordre de combat. Pour l'instant, le tour normal, c'est Gimdor, Suena, Logriff, Nathaniel, Altima. D'accord ? On va faire la logique de tir. La logique de jeu. Gimdor.
Je vais couvrir la fuite de Nathaniel. S'il y a un truc qui arrive sur lui, je tire sur la bestiole qui arrive bah, sur lui. Bah, okay. Lui. Elle lui fonce dessus. D'accord. Je vais. Ouais, bah, je vais tirer dans le but de faire un max de dégâts, mais aussi pour essayer de ralentir. Le but du jeu, c'est que je crie à Nathaniel, faut qu'on se barre, on peut pas se fight ici, c'est un mauvais plan. Faut qu'on aille à l'endroit où il y a de la lumière et du soleil pour. Ok. Ça. Tu me fais ça, mais avec 10% de malus. S'il te plaît. Tu tires avec un ou deux pistolets? Un pistolet, c'est bon. Oh yeah, yeah, c'est une honte, 10% tu dis? Ouais, ça passe pas. Avec 10%, je sais pas si ça te passera du coup. Ça passe pas. Non, ça passe pas, ton tir explose, il passe à côté de la créature qui s'énerve encore plus. Et vous avez là en ce cas les créatures qui volettent et toutes commencent à plonger directement sur vous tous. Yep. Soena. J'essaye de tirer au moins pour ralentir celle-ci. Ok, vas-y. Tu as combien? Alors attention, attention à la roulette, on l'entend très fort. Je suis mauvaise. Alors. Je suis mauvaise que pour le rôle précédent. Deux échecs critiques. La corde de ton arbalète casse. Ah. Et toi, tu te retrouves avec ton arbalète Enma. Oh shit. Oups. J'avoue. L'ogriffe. Alors, je vais plutôt jouer la défense que là, les flaplaps nous littéralement nous foncent dessus là. Oui, tous. Alors, je vais faire une forme complexe et je vais faire un dôme de feu au-dessus de nous. Alors là, je vais te mettre au moins 20% de malus hein, parce que c'est dur. Oui, oui. Et t'as ton échec critique, bien, tu as bien entendu ton échec critique parce que c'est complètement gratuit. Tu as ton échec critique à 91. Okay. J'allais le mettre à 86, mais... Vous allez tous finir brûlés au troisième degré, vous n'allez rien comprendre. Bah, vous allez être rôti comme ça pour la créature, c'est bien. La créature comme ça... Je suis ni fugé. J'essaye des trucs au moins. Ok, donc intelligence plus magie élémentaire, je suis à 90. Vas-y. Donc 20% de plus, c'est ça, tu m'as dit? Vas-y, c'est ça. 70. Hey, wesh. On n'est pas mort. Allez, prenez ça dans les dents, bande de mécréants. Bien. Les flammes s'étendent autour de vous, au-dessus de vous. Les créatures... Alors, je vais faire un test pour elles, pour toutes. On va voir si elles arrivent à s'empêcher de rentrer dedans. Sachant que si ça elles sont dessus, elles ont bobo, hein. Oui, je sais. Elles arrivent à esquiver. Zut. Allez, venez dans les flammes. Je viens. Mais pour l'instant, elles tournent autour. Elles n'ont pas encore trop peur. La créature, quant à elle, fait... Ah, de la viande rôtie. Et elle fonce dedans. Ça n'a pas l'air de lui faire grand mal. Ah, ça, c'est chiant, par contre. Mon plan ruiné. ton feu fait combien de dégâts? Il fait 1 des 8. Eh ben lance-moi un D8 s'il te plaît. Wesh. Oui, GG. Nom de Dieu. Je suis arrivé complet en dégâts de toute ma life. Bien, Nathaniel. Je vais reculer vers le centre. Et préparer une carte de foudre. Une carte de foudre, enfin, ok, vas-y. Non, d'abord, fais... Donc, Attends, carte de foudre, ouais, alors par contre, vu l'état de stress dans lequel t'es, j'ai peut-être 20% malus parce que tu te fais foncer dessus par une créature qui n'a rien de ce que tu connais. Oui. Bon, bah, c'est parti, 90. En donc, plus, elle est de mes musiques favorites pour le combat, là, t'es... Et... Yes, bien, vous commencez. Parfait, continue. Tu commences à bricoler. Combien de temps ça fait? Ça fait 2 tours, il me semble, la carte de foudre de préparation. Oui, oui, c'est ça. Ok, très bien. Donc, tu commences à reculer. Par contre, tu vas voir. Je vais considérer que ça annule ton esquive, ton bonus d'esquive. Parce que bah, t'es concentré. D'accord? Oui, si tu veux esquiver, il faudra annuler la préparation. Ok. Altima. Je fonce devant Nathaniel et pas sur Nathaniel. J'ai conscience de ma masse et bon. J'ai pas envie de le blesser, le pauvre fédichou.
Du coup, je me cale devant lui, bouclier préparé et prêt à le protéger s'il prend, si on essaie de le croquer. C'est fuir, les gars. De quoi ? On est censé fuir. Oui, mais si on peut avancer avec une jambe en... avec les deux jambes en entier, c'est mieux. Je suis pas sûr qu'ils aient envie de fuir, tes copains. Le problème, c'est que plus, enfin, si on reste ici, on se fait attaquer aussi par les harpies à la con. Donc du coup, faut. Altima, tu peux frapper. Tu as l'opportunité. Hein. T'as ton échec critique à 91 par contre, parce que tu passes carrément devant Nathaniel. Donc il se pourrait que l'épée fasse un mouvement un peu brusque. Ou un peu trop large. YOLO. Tu as 10% de malus. Oh ! Hey, hey, hey ! Pardon. Je suis dégoûté. Oh bah c'est bon, ouais. T'as lance-moi ton dé de dégâts. Lance-moi des dégâts, t'es en x2. Oh. Un D8 plus 7. Oh. Alice, overp. Putain, elle fait 30 de damage. Elle fait 30 de damage. Donc, tu disais x2? Pas x2. Ce qui se passe, c'est que t'as une brume rouge qui te tombe dessus, Nathaniel, tu te retrouves trempé de sang, et quand tu te retournes, la créature est décapitée. Vous disiez... C'est fait. Je sais pas chez vous, mais en tout cas chez moi il pleut du sel. Eh ben écoute, supplément de sel, est-ce que t'es encore là? Est-ce que t'es encore sur le chat? T'es arrivé pile au bon moment si t'es encore là toi. Ok. Ah, et t'as Kesus qui se fout de ma gueule sur le chat, c'est pas possible. Kesus, fais gaffe. Kesus, je te rappelle que t'es aussi sur Ténèbres d'Éden. Tu pourrais prendre une balle perdue rapidement. C'est gratuit. Bien. Les harpies... C'est pas bien d'essayer de se venger de ces joueurs. Les harpies, quant à elles, sont de panique instantanément. Elles commencent à volter dans tous les sens. On a une qui sort par la grande porte, les autres repartent dans les profondeurs du plafond en piaillant à toute vitesse. Bon, bah... Donc, nous pouvons entrer. Merci, Altima. Bah je t'en prie, t'as rien gamin. Mais t'as tellement eu de bol Nathaniel, il faisait tellement mal ce monstre, je suis vert de rage. Je vais prendre tellement cher la prochaine fois. Vrai, on voit ton sel là, il est en train de pleurer. Et heureusement, il avait pas les c'était pas un stade de boss. C'était pas des stades de boss, encore. C'était pas un boss, mais il était censé faire mal. Mais c'était one shot. Attends, il avait 40 PV. Il s'est fait two shot. Putain! Bon ben, je pense que l'on peut avancer. J'ai une question. Je vais toucher 30 secondes pour voir si mon arbalète est réparable. Tu vas me faire oui, un. Regardez ça. Dans ce cas, tu vas me faire un test d'artisanat. S'il te plaît. Je propose de m'en charger, j'ai 10. Non, mais justement, c'est à toi que je parlais. C'est à toi que je parlais, Driller. Ok. Tu vas me faire un test d'artisanat rapide pour voir si tu arrives à le. Je vais faire un bisou sur ton bobo, histoire de réussir à réparer. Parfait, tu passes. Ça. Merci. T'inquiète pas, j'ai déjà fait bien pire que ça. Bah bravo. Quand tu as bien dit que les créatures, quand on a fait la decapitation, elles ont pas forcément aimé. Les piefs en l'air, ils se sont envolés, ils se sont enfuis, c'est ça? Oui, ils se sont enfuis, ouais. Par précaution, je vais prendre la tête coulée par terre, je vais la gripper sur quelque chose qui me semble foutre de la toile partout. Et l'idée, c'est que si les négociations se passent intéressant, on peut essayer de menacer avec ça. Regarde ce qu'on a fait au gardien de l'entrée. Oui, je pense que Draenor s'en fout un petit peu de ce qu'on a fait de son gardien. Draenor, c'est s'il y en a d'autres sur le chemin. Alors la musique... Sinon, tu sais, je peux toujours recommencer, hein. On a déjà une tête, c'est pas la peine d'en faire beaucoup. Et la dernière fois que t'as essayé de faire ça, je te rappelle que t'as quand même terminé dans 3 épisodes d'affilée à moins 2 PV. Ouais, mais je suis pas morte. Parce que l'EMJ est très gentil. Il s'est pas pensé à crit sur la tronche. Qu'est-ce que vous faites? Bonsoir Nitram. Maintenant on sait qu'ils savent qu'on est là, donc... Autant avancer. Ouais. Continue à garder tes cartes de lumière. Moi, j'ai créé un molotov.
J'ai une craie comme bon en premier. Et si nous prenons la tête du gardien de Draenor en guise de bonne foi pour lui montrer que nous sommes de l'autre côté. Je l'ai proposé, mais moi c'était pour une autre raison. Moi c'était pour faire peur. Et pour convaincre les autres gardiens sur le chemin que le mec de la porte avait échoué. Ceci mais... étant dit, on peut faire d'une pierre deux coups. Bah, après, je sais pas si c'est vraiment sage de le montrer à Draenor dans l'absolu. Il faudra peut-être le balancer sur un petit, dans un pot de fleurs à côté quand on le prendra. Mais... Nous verrons au fur et à mesure. Yep, moi je prends la tête. Littéralement ou métaphoriquement? Les deux. Vous êtes sérieux? Bon, le griffe, tu veux bien baisser tes flammes? Eh oui. Pouf. Merci. Bah, je m'insurge, hein, thermostat 12, c'est très confortable. Non, c'est bon, on a déjà bien souffert avec tes conneries de chanteuse sensuelier ou je sais plus quoi là. C'est bon, hein, un peu plus de fraîcheur, s'il vous plaît. J'augmente la puissance de mes flammes. Vas-y, s'il te plaît. Pouvons-nous avancer, s'il vous plaît? Le griffe. J'ai chaud. On n'est pas comme vous. Soir, alors, me cherche pas. Je dis juste que les chanceliers à la con, ils savent qu'ils ne savent pas de c'est quoi une bonne température. Alors, l'entrée, comme vous voyez, elle est assez grande, elle est assez imposante. Et elle vous permet surtout de pénétrer dans le dôme. Hop, on va changer la musique. Vous pénétrez donc dans... Quoi ? La musique commence à s'exciter et tout. Ah non, c'est pas le moment. Le dôme est en fait une énorme salle vide qui plonge dans les profondeurs. Au-dessus de vous, le dôme s'ouvre sur une petite coupe. Enfin, sa coupole s'ouvre sur un cercle qui donne exactement dans le prolongement de l'ouverture, vous savez, qui était au sommet de la caverne et qui laisse tomber le ray de lumière, qui se perd quant à lui dans une sorte de petite brume au fond. Une immense rampe descend lentement dans une immense salle. Donc il y a juste un gros trou en fait devant. C'est ça. En fait, c'est une sorte de pont qui descend et emmène vers une porte située de l'autre côté, beaucoup plus en bas. Tu nous as mis sur la bonne map ? Oui, pourquoi ? Je sais pas, ça ressemble pas vraiment à un dôme. Parce que vu la taille du dôme, si j'avais fait la vraie map, vous verriez rien. Oui, je me doute, mais je me j'étais curieux. Et on critique pas les maps du MJ ? Ah non, mais j'essaie de savoir où est-ce qu'on est en fait. Vous êtes sur le pont qui descend. Il y a une petite plateforme qui émerge sur d'énormes piliers et qui permet, en gros, d'en rejoindre une autre un peu plus loin, de rejoindre la porte, en fait. Vous êtes en bas du pont. Niveau lumière, on est comment ? Vous y voyez. D'accord. La lumière du soleil suffit, quoi. Pour l'instant, oui. Ça vous permet surtout de voir que le bord du pont. Je vais garder les cartes de... Je prépare des cartes de lumière. Je les active pas tout de suite. Ouais. T'es pas en combat, je vais t'autoriser à le faire sans autre souci. Poudre ready ici aussi. Hein? Ta coche de poudre ready aussi pour moi pour faire des ouais, pour faire de la lumière aussi, c'est ça? Bah ouais, mec, moi si tu peux faire des attaques un peu enflammées comme ça. Bah, c'est pareil, je me prépare à sortir la torche. Il y a des saletés qui volent, c'est tout ce que je sais. J'ai pas envie de les voir de plus près. Visiblement, elle n'aime pas trop la lumière. En effet. Sliff, alors que tu as... Pourquoi est-ce que Draenor fait des araignées et des saloperies comme ça ? C'est aussi des chances. Draenor, en fait. Ce sont les gardiens. Leur créateur était Enatheim. C'est les gardiens contre Draenor, donc. Oui. Oui. Ah. Le père dont il parlait, c'est Enatheim. Alors, je précise un truc. Draenor, il a été enfermé dans cette prison par les éthérés, pas par Enatheim lui-même. Il a été enfermé ici après les guerres de l'éther. Je vous rappelle qu'Enatheim et Draenor s'étaient dressés contre les autres éthérés. Oui, mais Enatheim a retourné sa veste. Enatheim a retourné sa veste. Les éthérés ont des vestes ? Des vestes éthérées. Altima, il y a un trou sous tes pieds. Est-ce qu'il peut y en avoir un sous les pieds de... De Gimdor ? De Nathaniel, parce que... Moi ça va. Pourquoi ?
Je veux bien, hein, mais pourquoi? Parce qu'il a, il a surenchéri. Attends, je peux te faire ça dans deux... Il a dit des vestérés. Deux secondes, je peux te faire ça en deux secondes si tu veux sur la map. Mais c'est RP, Altima, elle est un peu con aussi. Nathaniel a surenchéri. Ah! Ils sont déjà ingérables. On est censé être en mode full RP et ils font de la merde. Ils disent de la merde. Non, mais je trouve le jeu de mots vestéré très bon. Voilà. T'es bon. Attention où tu marches. Et de poule, non. C'est une invention. Bon. Attention au trou, hein. Sona, tu repères d'autres flap-flap dans les airs ou pas? Moi, je vois rien ici. Je peux refaire un test de perception? Alors non, vous détectez rien. Y a rien. De toute façon, vous le verriez venir de loin avec le grand trou qui laisse passer la lumière, une lumière directe. Est-ce que vous... Il avait dit qu'il avait des enfants à l'intérieur. Ou des saletés. D'autres créatures, sans préciser. Ouais, d'accord, mais bon, il y en a d'autres, c'est peu importe. Il y a d'autres choses. Ouais, préparez-vous pour la baston. Hein. Je pense que la négociation à partir de là, elle est nulle et non avenue. On la skise pour gagner du temps, mais. Toi qui pars devant, fais-moi s'il te plaît un test d'intelligence plus perception. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'il faudrait que tu remarques vu que les autres sont en train de discuter derrière et toi tu es parti. Toi tu as l'air d'être parti un peu devant. Nathaniel, s'il y a une araignée qui vient et qui dit que le projet, tu négocies pas avec elle. Je te switch dans l'autre channel car je crois que je vais avoir des informations pour toi peut-être. Et arrêtez de spammer les icônes de sel dans les channels Discord, ça commence à me trigger. Ah, lutte. Sleef. Oui. Tu remarques des traces d'éraflures gigantesques autour de certains piliers qui descendent dans les profondeurs ou même sur les bords de la coupe. Comme si une créature énorme était passée là. Okay. Mais une créature sans pattes. Ah! D'accord. Donc, alors, question. Là où, sur les bords, là où je ping, c'est cassé à cause de ça? De quoi? Là où j'ai pas vu où tu pingais? Oui. Non. Ça, c'est pas non. Les bords du dôme. Je parle des bords autour. Là, c'est une petite plateforme en ruine, c'est tout. D'accord. Donc il y a potentiellement un énorme reptile dans le coin. Ok. Je te re-switch avec les autres. Ça marche. Bien. Sleef, tu t'arrêtes deux secondes devant quelque chose, puis tu fais signe aux autres d'avancer. Tu veux leur dire quelque chose du coup vous continuez à avancer? Oui, il y a un gros bestiau qui nous attend, potentiellement. Du genre reptile, mais... plutôt du genre serpent. Copain? Non, pas copain. La dernière fois que j'ai potentiellement entrevu Draenor, il n'avait pas cette forme-là. Bien, on a eu l'araignée, il est logique qu'on ait un serpent par la suite, hein, tout va bien. Tant qu'on n'a pas le boss chauve-souris. Bon, on fonce. Et faites attention. Vous l'avez vu ou pas? Alors, je ne l'ai pas vu, j'ai juste vu des traces au niveau du dôme. Regarde, on dirait qu'il y a quelque chose de très volumineux qui est passé dessus. Mais sans traces de pattes, quelque chose qui rampe. Je vais peut-être passer en éclaireur. On n'en sait rien, mais si c'est serpent, ils ont peut-être... Tu sais, les serpents, ils te chopent au mouvement que tu fais sur la terre. Du coup, il faudrait qu'on essaye de marcher doucement. Si c'est qu'on le voit, on flingue. Marcher doucement, ça va être compliqué, je pense. Bah, oui. Évite de juste faire clong-clong le plus fort possible, quoi. C'est pas trop à moi que je parle. C'est pas trop... Oui, je... Alors, mon clong-clong t'ennuie. De toute façon, vu comment on a engagé, il n'y a pas de diplomatie, il n'y a pas de discrétion, il n'y a pas de quoi que ce soit. On n'est pas là pour une visite de surprise, on est là pour défoncer du gardien jusqu'à ce qu'on arrive à Draenor. Donc, pas de surprise. Préparez-vous juste pour le combat le plus possible et dégainez tout dès que vous avez. Là, si on y passe, on ne reviendra jamais.
Du coup, je regarde mon point gauche sans comprendre pourquoi est-ce que Dimdor a parlé du surnom de mon point gauche. Bref. J'avoue dit ça. Je l'ai vérifié. Pourquoi tu parles? Il n'y a que elle qui s'en rappelle, en fait. Est-ce que vous continuez? Est-ce que vous pénétrez dans le bâtiment, porte d'en face? Oui. Tant qu'il n'y a pas d'autre chemin. Yep. Juste en faisant attention à l'affût du moindre son. La porte derrière vous mène dans une sorte de tunnel rocailleux. C'est assez peu logique, effectivement. Celui-ci est extrêmement fin, comme si ce tunnel n'avait aucun rapport avec l'échelle des bâtiments de la ville, ou même l'échelle du dôme. Celui-ci, même s'il est quand même relativement grand, est presque normal niveau architecture pour vous, en termes de rapport d'échelle. Là, devant vous, alors il y a des rochers parce que c'est la map qui est comme ça, mais considérez que c'est une porte. Ok. Une porte comment ? C'est une sorte de grande ouverture dans le roc que soutiennent deux énormes colonnes. Derrière, une petite pente douce mène visiblement à une salle qui est doucement éclairée. Il y a quelque chose d'autre ? Doucement éclairé par un éclairage naturel ou... Alors, ça jette des ombres. Et ça fluctue. Ça ressemble à un feu. Il y a un autre endroit où aller ou pas ? Non. Bon bah... Vérifie d'abord la salle avec des torches. De quoi ? La porte est fermée, on est d'accord. Non, elle est ouverte. Ah. Les portes tombent de guingois. Toujours des traces du serpent, le griffe. Je peux checker? Non, il n'y a rien. Et même, vu la taille des éraflures que tu as vues, il passerait pas là. Ouais, c'est bon. On est à l'abri ici. Il n'y a pas de bruit. Bonsoir à tous ceux qui rejoignent. Tu dis qu'il est à l'abri, mais il y a peut-être un moyen qu'il a pu passer ailleurs. Parce que s'il n'est pas là et s'il n'est pas à l'entrée, le serpent, c'est que soit il est mort depuis longtemps, soit il est parti ailleurs. Alors, est-ce que vous rentrez? Bah ouais. Hein. Alors, peut-être envoyer ce je peux peut-être y aller en éclair. Pour. Tu peux faire ça, ouais. Alors, la première, tu entends directement un bruit de respiration énorme, calme, voire même plusieurs respirations. Non, ça, par contre, c'est très normal. Tu veux continuer à descendre? Oui. Bah, seulement. Et si je m'approche, est-ce que je vois quelque chose ou pas? Alors, il faudrait que tu descendes vraiment bas. Pas un miroir ou un truc. Comme tu veux. Est-ce que vous voulez descendre? Est-ce que vous voulez tous ensemble? Est-ce que vous voulez vraiment qu'elle y aille seule? C'est comme vous voulez. Elle peut y aller seule. Bah moi, si j'y vais, je suis sûr que si ça dort, je le réveille. En fait, il faudra faire une chaîne. C'est que Soena, on la garde en vue en fonction des angles. Si elle part un petit peu plus loin, on attend quelques secondes. Ensuite, on se met en fonction de si on a clean. Et comme ça, on n'est jamais très loin d'elle. Très bien. Soena, il va en discrétion. Et si elle ne revient pas d'ici quelques minutes, on y va. Alors, très bien. Dans ce cas, je vais laisser Soena être la seule à voir ce qu'il y a dans la grotte. Ce que je peux faire... C'est pas combien, juste ça, pour éviter qu'on parle trop, qu'on fasse trop de bruit. Je sais juste plus, je sais que dans. Je peux essayer de m'approcher et normalement j'ai une. Comment ça s'appelle dans mes affaires, normalement j'ai la fameuse corde enchantée, je sais pas de combien de mètres elle fait. Alors la pente douce, tu la descends normalement, t'as pas besoin d'une corde pour ça. Hein. Non, mais c'est pour qu'ils puissent nous tirer dessus pour nous prévenir. Ouais. Si tu veux.
Très bien. Dans ce cas, voilà ce qu'on va faire. Je vais te dévoiler, à toi seul, ce qu'il y a dans la grotte. Et à Shekil. Non, parce que Shekil regarde pas, en fait. Je tourne la tête, je regarde pas. Et on va terminer l'enregistrement de cette première VOD. Je rappelle pour tous ceux qui connaissent pas que c'est juste un enregistrement de VOD. Je remets le générique après, il y a un nouvel et on relance l'enregistrement juste après. C'est juste 30 secondes de pause. Ça va être le cliffhanger de cet épisode. Et on le reprend juste après. Tu vas être la seule à voir, d'accord? Et le chat et les viewers aussi, ce qu'il y a, et nous relancerons le générique tout de suite après. D'accord? Les autres, considérez que lorsque je reviendrai vous voir, on sera en générique, d'accord? Je vais juste switch. Je vais juste switch Ilyan. A tout de suite. Ilyan, tu descends la corde. Et pour ainsi dire. Surtendu, tu arrives quasiment au bout. Il semblerait qu'ici, sa propriété magique ne s'applique guère. Désolé, je t'ai pas entendu parce que chez qui il a bougé. Tu... Allô ? Oui, tu montes, oui. Tu descends, pardon. Et tu découvres quelque chose d'énorme qui te regarde. Et quelque chose qui te regarde d'un grand nombre de paires d'yeux. On se retrouve juste après le générique, tout le monde. À tout de suite.